Attendez, avant que la vidéo commence, donnez-moi en commentaire des ordres. Là tout de suite, je vous attends. Vous me donnez des ordres, des défis, j'en sais rien. J'essaierai d'en faire un maximum dans une prochaine vidéo. C'est à vous de mettre les commentaires. Je m'arrête jamais. Toutes les personnes qui attendent la réponse de laquelle anecdote était fausse dans ma dernière vidéo, je dirai à la fin de la vidéo. Ah bah oui, j'aime le watch time. Reste jusqu'à la fin s'il te plaît. Mets le petit pouce bleu là, le petit pouce bleu. Oh, en même temps, la cloche. Wouah, putain, oh là là, mince, merde, prout. Ok, j'arrête. Ça fait déjà 6 ans que je suis sur YouTube. À savoir, c'est que ma chaîne a été créée le 16 mars 2016. Et donc, bah ça fait déjà 6 ans. Ouh là là, je me fais vieux. Non, oui, j'ai commencé YouTube à 9 ans. Alors déjà, joyeux anniversaire. J'avais une question pour YouTube. Faut que je descende la caméra. YouTube, veux-tu me faire percer? Ah, toujours pas. Bah bon, on essaie des choses, on sait jamais. Bon, je me suis dit que c'était cool de faire un backflip. C'est pas vrai, d'accord. Je me suis dit que c'était cool de faire une petite vidéo pour les 6 ans de la chaîne. Donc voilà, ça va pas être une vidéo spécialement divertissante pour les nouvelles personnes qui me découvrent. Mais pour mes abonnés, à mon avis, ça peut être cool. En tout cas, je l'espère. Dums. Pour les 6 ans de la chaîne, j'ai préparé un petit cadeau. Je vais vous le chercher tout de suite. Il est juste là. Et ouais, c'est un bouton s'abonner. Comment ça, mon cadeau, il est nul? Je suis d'accord, mon cadeau c'était pas le meilleur, mais c'est pour un certain type d'abonné. Je parle le plus nerveux, d'accord? Le compteur rouge, tu l'exploses comme ça, paf! Comme ça, t'éclates le truc comme ça. À partir du moment où il est plus rouge, c'est que t'es calme. Oui, c'est une technique pour gratter les abonnés, qu'est-ce qu'elle y a? Ouais, je sais, ça marche assez bien parce que regardez ce compteur, sérieusement. Franchement les gars, sans déconner, ça monte de jour en jour, alors déjà merci beaucoup. Je suis content parce que si ça continue à monter, je pourrais faire mon objectif YouTube, c'est-à-dire atteindre les 10 000 abonnés. Et n'oubliez pas qu'aux 10 000 abonnés, la pièce qui est juste là derrière, vous verrez pas, là il y a un rideau, la pièce qui est juste là. Et bah vous verrez, il y a quoi dedans. Et pour toutes les personnes qui m'aimaient bien avant pour un certain type de contenu que je faisais, vous allez être content. J'avoue que cette vidéo elle est pas très longue, mais je tenais à la faire déjà pour me repérer dans le temps, pour savoir c'était quand, il y a 6 ans, au moment on sera plus tard. Je tenais à cœur. Non, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Parce que je dois avouer que depuis un an, ça marche quand même de mieux en mieux. On va pas s'arrêter là. Si vous connaissez des amis qui pourraient aimer mon contenu, comme YouTube, bah ils mettent pas encore en avant que je suis pas encore quelqu'un d'influent. J'aime pas ce terme du tout. Non, je suis pas quelqu'un, on va dire, de connu, etc. Donc ça sert à rien YouTube de me mettre en avant. La seule solution actuellement, c'est de partager la chaîne. Donc si vous connaissez des potes et tout, partagez un maximum. Moi je dis pas non. Go les 2800 avant la prochaine vidéo qui sera samedi à 10h. Pour l'anecdote fausse de ma dernière vidéo, il y en avait qui avaient raison. Beaucoup en avaient raison. D'autres avaient tort. Je tiens à dire que déjà c'est la troisième, donc la dernière. Donc bravo à tous ceux qui ont dit que c'était ça. Il y en a même d'autres qui ont trouvé des théorèmes comme quoi c'était une vraie histoire. Alors que non, elle est complètement fausse. Mais elle est inspirée de faits réels qui nous est arrivé avec Ethan. Mais c'est pas réellement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de renard en tout cas. Moi je vous dis rendez-vous samedi à 10h. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Faites pouter le compteur là. Pouta comme ça là. Ah, salut mon de beau gosse.